Le Seigneur ton Dieu est l'unique
croisant les gens, avant d'y battre que Jésus-Christ est Dieu, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais avant même le Seigneur Jésus-Christ. Mais au moins qu'il appelle Seigneur Jésus-Christ. Israël n'a pas moyen. Un enfant d'Israël, c'est pas si tu l'appelles Seigneur. Donc si tu l'appelles Seigneur, c'est Dieu. C'est là que c'est Dieu lui-même. C'est ça la connaissance d'Israël. Il y a un mot qui le cas pour ce soir-là. Il y a un mot qui l'apôtre Paul. C'est pourquoi on a fait lui l'apôtre Paul. Dans Ephésiens 4. Dans Ephésiens 4. Par la grâce du Seigneur, nous allons aller aussi. Par la grâce du Seigneur, nous allons venir. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Dans une à partir, il y a verset 5. Nous prenons partie du verset 5. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Seigneur. Isaïe tape dans le colombon. Ça, c'est que nous disons Amen. Isaïe chante pour nous dire Amen. À l'écriture de Dieu. Dans les commis en temps. Mais en Jésus a le parti. C'est ce que Jésus a dit. L'unique Seigneur. Maintenant, comment le frère Paul a été à l'unique Seigneur? Maintenant, comment le frère Paul l'a fait la lecture? Une seule fois, un seul baptême. Baptisement. T'as pas fait un seul baptême. On parle de deux seuls baptêmes. Au moins, il se peut aller dans l'ombre. Si vous regardez dans l'ombre, Paul a toujours parlé dans 1 Corinthiens 10. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10. Nous allons les lire avant de rentrer dans l'Ephésiens 4. On a 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Nous disons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qui nous ont tous passés au travers de la mer. Qui nous ont tous été baptisés en Moïse. Les anéliques baptêmes. Mais ils en ont deux états. Dans la nuit et dans la mer. Baptême ça en Moïse. Mais les a dans la nuit et dans la mer. Maintenant Moïse a demandé Dieu vous suscitera un prophète comment? Donc le baptême aussi sera en son nom. Au nom de Jésus-Christ. Mais la carte n'a pas ça baptême et amaï. Cela veut dire un seul baptême. Dieu bénisse. Amen. Il ne faut pas deux baptêmes. Cela ne veut pas dire deux baptêmes. Baptême d'eau, baptême de l'esprit. Il va dire ça va être anonyme. Ephésiens 4, mais il y a un seul baptême. Ephésiens 4 les appelle un seul baptême. Il y a un mot pour expliquer dans l'ombre. C'est ce qu'on a expliqué dans l'ombre. Les baptêmes étaient en Moïse. C'est ça. C'est ça. Mais c'est dans la mer. Continue lecture de l'année. Un seul baptême, les baptisements, un seul Dieu, et Père de tous. Il y a un temps où tout le monde est en quoi. C'est pourquoi les baptêmes avaient parlé de ça. Le Père de tous qui est au-dessus de tous. Et c'est ce que tout le monde a dit par le signe. C'est ce qu'on avait vu en termes de signe. La lié était au-dessus de tout. Les baptêmes, ils ont dit qu'il faut aller au-dessus de la connaissance. C'est lui le Père. Il est Tata. On remplit la colonne de feu. Et c'est tous. C'est ça même aussi la colonne de feu. Et la taille, c'est le minoteur. Je vous annonce, mon frère. Quand Israël a marché. Lorsqu'Israël a marché. En temps. C'est la colonne de feu et la colonne de lieu des aïeux de l'Axamango liés à ta main. C'est la colonne de feu et de la nuée qui leur montrait le lieu où ils devaient camper. C'est mieux que ça dans le texte. C'est mieux que tu aies le texte. Exode
40. Exode chapitre 40. Là, c'est Père de tous, au-dessus de tous. La Bible le dit. Le verset 38. Hein. On va dans le verset 36. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que te dirai les marches. Exode 40, verset 36. Aussi longtemps que dirai les marches. Les enfants d'Israël partaient. Quand la nuit s'est levée, de dessus le tabernacle, et quand la nuit ne s'est levée pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle se lève. La nuit de l'Éternel était des jours sur le tabernacle, et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Dieu bénisse. Amen. C'est bien qu'il a besoin de nos textes aussi. Il m'avait plu de vous donner aussi ces textes. Donc, ce lieu-là, il y a mon désir dans ma peuple. Et c'est ce qui compte. Les jours. Le peuple pendant le jour. La nuit, c'est la colonne de fer. Aussi, ils allaient dans les tabernacles, ils allaient couvrir le tabernacle. Et cette même nuit qui couvrait aussi les tabernacles. C'est dans Nombre chapitre 9 et les Romains. Et Nombre chapitre 9 en parle aussi. Donc ce qui compte, le nez des armées à Thierry Mamambo. Si tu regardes comment le Seigneur avait placé les choses, à Tamborin à Pébro, il a marché avec le peuple. La personne qui est écriture dans Tamborin. Le matin, je vous avais donné l'écriture. Il y a Nombre 2. Et le nombre 10, Bazali Kotel, ça départ à temps. Et la nombre 10, on montrait le départ du temps où il compte. La dernière séminaire qui est le départ. Je vous avais montré que lors du départ, il y avait deux bannières avant. Et ça va dire pas péter les bannières à qui pour qu'il y a le et l'arche est au milieu. Et l'arche de l'Éternel était au milieu. Dans un texte. Je prends le texte. Parce que ça va dire là. Parce que c'est très important. Là, vous autres, c'est écrit au milieu du peuple. Là, vous montrez que l'arche était au milieu. Parce que l'arche, c'est un signe à trône. Parce que l'arche, c'est le signe du trône. Et Dieu bénisse. Amen. Par la tâche, nous sommes les uns très importants. Tous ces langages sont très importants dans la Bible. L'écriture et le dépôt. L'écriture. Ils ont noté à partir du verset 11e, dit même le verset 34e. Notez chez vous à partir du verset 11 jusqu'au verset 34. Mais ensuite, cette parole. Je prends cette parole. Dans l'écriture. Dans l'écriture. Il y a verset 13. Verset 13. Il vit ses premiers départs sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les appareils du camp du fils de Juda. Là, c'est verset 14. Partie la première. Avec ses cordes armées. Les cordes armées de Juda étaient commandées par Nachon. Fils d'Aminadab. Aujourd'hui encore l'écriture. Vous prenez encore l'écriture. Il y a verset 18. Verset 18. La bannière du camp est revenue partie avec ses seconds. C'est corps d'armée. Bénin de Yamola Kareme et Ketaki. Et Ketaki n'a pas ma pique en amour. Yamola n'est que deuxième. Donc la deuxième bannière, c'est celle de. Tant que Yamola et Keïna et Kipunion se rétribuent à Simanaï. Lorsque cette bannière est partie avec tout le corps d'armée qui était derrière elle. L'écriture est au nom. L'écriture dit ceci. On suit le verset. 10, 23 plutôt. Vous priez de
ce 23. Dans Matthieu, à partir du verset 23. Verset 20 d'abord. Je prends le verset 20. Les corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils d'Étienne. Le corps d'armée Mapinda Yabana Yagad, Nadina Yabas. Oui, ma monnaie se passe à la carte, la bannière y arrivait. Et tous sont à la bannière. La deuxième bannière. La deuxième bannière. Mais dans le verset 21, les Kéatites du parti. Bannière Kéat, Akéna Kupé. Portant les sanctuaires. Bannière Mongongo et Zabé. Et l'ont dressé les tabernacles en entendant l'air arriver. Puis, parce qu'il continue déjà Mongongo au Zélangouyama. Au moins du verset 21. Dieu le dit. Amen. Donc ils avaient dit, gros pour nous source d'avoir pas un enfant. Donc il y avait même des. L'homme la zone de la dernière partie. C'est ce dont je parle. Maintenant la carte. Maintenant pas l'intérêt. Sanctuaire. Il y a le sanctuaire. Et l'arche qui montait. Bimima. Parce que quand l'arche de l'autre des problèmes, il lève toi éternel. Quand l'arche, pardon, il est tellement Yahweh. Après, la maison du Seigneur qui marchait. Après la maison. Les autres groupes derrière. Et les autres groupes derrière. Mais il faut y aller que tout le peuple d'Israël est une femme aussi. Il faut savoir que tout le peuple d'Israël est une femme. Et on est venu dans la quatrième. Et si tu étais à l'intérieur, c'est tout un fils caché. Et ça a dit moi dans mon bailleur à bombardement. Mais dans le Moussoussou, dans un autre langage, dans la loi, les psaumes et les prophètes, il y a Dieu qui s'est caché. Et Dieu bénisse. Ça vient quoi pour le minot. Mais quand Moïse a sa deuxième alliance. Mais lorsque Moïse a traité une seconde alliance, la Deutéronome 29 verset 1. Donc Deutéronome 29 le verset 1. Tout à l'heure, déjà à ton nom. On l'avait déjà vu le matin. Après tel soir. Après ce texte. On va dire qu'à la commande, un placement a été. Tu ne verras plus un tel emplacement. Échangé. Cela va changer. Et mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche était marquée dans des mélicoutés. L'arche était placée à deux coudées devant tout le peuple. Donc vous avez dit que vous avez caché à l'intérieur. C'est comme si vous étiez caché à l'intérieur. Vous avez manifesté. Et maintenant, manifesté ou révélé. Dieu bénisse. Amen. Makambouyango est ça simple par la grâce de Dieu. Ces choses sont simples par la grâce de Dieu. Donc, tant que tu as l'écriture de Dieu, lorsque tu lis les écritures de Dieu, et ça a un programme ça au programme en quatre. Il y a un programme qui est caché à l'intérieur. Le programme, nous sommes c'est le sanctuaire de Dieu. Et tout ce programme-là, c'est comme le sanctuaire lâche de Dieu. Dieu bénisse. Amen. Mais c'est prévu qu'il faut se manifester. Mais c'est prévu que cela va se manifester. Dans le programme, il y a 50 alliances et rien. Mais lorsque le programme de la 50 alliances arrive, il y a monté dans un texte, il y a Jérémie 32. C'est pourquoi j'avais pris le texte de Jérémie 32. Parce que tous les prophètes parlent de Jésus-Christ. Parce que nous sommes à l'opéra de Jésus-Christ. Un mouvement n'a pas bon. Leur mouvement. Supposons Zacharie 3, verset 8. Si tu penses à Zacharie 3, le verset 8. Et le dit, ce sont des hommes qui serviront ici. Et ça n'est pas tourné au sein de la loupe la Nimbo. Le légume sont venus Ézéchiel 12. De même manière, on prenait Ézéchiel 12. Et verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Le Seigneur a fait Ézéchiel. Le Seigneur parle d'Ézéchiel. Pour vous aller, il est beau pour nous. Jérusalem. Tu seras ainsi pour ceux qui sont restés à Jérusalem. Et même si tu prends Esaïe 8, autant qu'à partir du verset 18, regarde à partir du verset 18, Esaïe est mon pasteur, Esaïe dit que lui et les enfants que l'Éternel lui a donné, Basali un présage pour Israël. Nathalie, verset 18. Je le dis au nom de Jésus. Au lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes ici. Et les présages à Israël. Et
de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne Sion. Et Dieu bénisse. Avant de servir, et c'est le moment à savoir. Il explique pour vous quand je suis là. Lorsque je fais le mouvement, c'est un signe. C'est vraiment un signe. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous suivez attentivement? Et ça, on va parler de ce que vous avez parlé. Qui a fait? Il y a d'autres paroles qui s'aiment. Tu lui poses la question à mon petit Nathan. Esaïe, informe-moi. Esaïe, un petit Nathan. Et tes Esaïe. En réalité, ce n'est pas Esaïe. Yeah, Esaïe est signe. Lui-même l'avait dit au chapitre 8. Et c'est comme aussi David. Et c'est comme David. On suit la psaume. Vous le prenez dans les livres de psaume. Et dans le psaume 22. Par exemple, le psaume 22. La seule façon de dire mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Il chante en disant Zabdé la taille, pour la dignité. A dire mon sort à mes amis. Ma petite messe, pour pas y aller. Dans la vie de Jésus. Basala qui a signé. Les prophètes étaient des signes. Yahoo, il faut remarquer dans le texte aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas remarquer dans les textes que nous avons pris. Dans Jérémie 32. Dans Jérémie 32. Les prophètes Jérémie. Mon Saint-Paulier Jérémie. Azalabon et Néoïa éternel. Il est avec Yahweh. Il est signé. Israël a péché. Lorsque Israël a péché, donc, le Seigneur lui a dit, dans Jérémie chapitre 7, a initié une version de la vie. Lorsque les a rejetés, c'est d'abord Dieu ou le prophète est resté
Yes. Jérémie was a élément éternel. Jérémie was a élément éternel. Lui qui a coupé sa chevelure. Comme il est prévu, la première donc, sans être là au
C'est pourquoi jour le jour.
Adam ne veut pas exister. Parce que Job n'a pas existé.
Là, c'est plus que la sorcellerie. Quand ça pour les tapons d'eau. Donc, vous sentez les émotions. Donc, je vous avais dit, vous savez, tout le temps.
pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est bien qu'elle qui rend témoignage de moi. Entrer de marcher au milieu de sept chandeliers
C'est lui qui alimente les champs. Le véritable souverain. Toutes choses.
Voilà que ça lie entre nous. Tout le monde a déjà par le la nuit, la
la sixième jour. Mais il y a plus, je pense seulement d'abord. Pourquoi m'a caché sa promesse?
Sikora. Nzoto wane kipo. Uzoa na mama. Amen. Et c'est le travail que le Seigneur a fait maintenant dans l'Église. Il s'agit non seulement pour la recherche de la catéchèse. Pour qu'on y s'amuse. Pour nous préparer. Et que Dieu nous semblable à lui. Afin que nous devenions semblables à lui. Pour la tout espérer à côté de la Sikora d'humiliation. Verset 44. Alors, il dit ceci.
verset 47. Jusqu'au verset 47. Nous nous allons de Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit, et amen, pardon. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Et ça dit, non, on a ça dit, on a ça dit, on a ça dit, on a ça dit, qu'il fallait que ça accomplisse. Et c'était là qu'il faut qu'il s'en va. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Jésus a confirmé. Moi, Jésus confirme. Ils sont confirmés d'Exode. Si tu prends par exemple l'Exode, à comment a-t-il un Christ? On avait dit au sujet de l'Église. Aux yeux de l'Église. Prenez les motifs. Christ a dans la carte. Christ est dans le terrain. Au moment n'a-t-il pas communié au Christ? On est devenu. Tu n'éliras pas en Église si c'est Christ. À savoir attaché comme lâche. Il est attaché comme lâche au milieu du peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, mais tout ce que les prophètes ont écrit de mon sujet Moïse, Moïse a écrit dans la loi. Dans les prophètes et dans les psaumes. Ils ont l'église, mon corps. Il y a une église. Pour aller à prier, ils ont l'absolu. Donc pour eux, les prières, c'est la seule psaume. Moi, on va parler 100%. 100%. Le peuple qui ne connaît pas la loi de Dieu, c'est un peuple maudit. Les psaumes et la prophétie. Et l'écriture est remise. Alors, verset 45. Alors il a ouvert l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est pourquoi, bien quand il a prêché la repentance, la conversion, à l'église de l'Église, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse. Nous prions. Donc c'est recommandé dans la
nous rendons compte de la de Dieu en ce moment. Dis Seigneur, nous te gardons de préserver dans ces pèlerinages. La toujours ta propre parole. Je vis toujours ta propre parole. Vous savez, les amis, prie Dieu de prodige. Yo et le roi, la somme, nous avons fait la vie. Dieu va marcher. La véritable victoire de Dieu au chef. Vous allez ici, moi, la somme, nous avons fait la vie. Et la véritable si vous soyez à l'été, Seigneur, nous allons compter pour la monnaie et la concorde. Je confesse, Seigneur, la grandeur. Vous allez saper à mort. Parce que tu es le Dieu. Vous allez ici qu'on en sort, Seigneur. Tu es la véritable rédemption. Vous allez pomper la monnaie et saper. Tu es un grand refuge. Oh, papa, saper la scène à mort. Demain matin, par la grâce du Seigneur. Dieu bénisse. Santé à toi, mon ami.